Bonjour François Hadjé, vous êtes président de l'ACA et également président de la commission endurance à la SHF. Que pouvez-vous nous dire sur cette finale ? Je suis particulièrement content de l'évolution de cette finale qui a maintenant bientôt un quart de siècle ou même peut-être déjà fait. Oui. On a un succès, on remporte un gros succès, il y a de plus en plus de chevaux, des beaux chevaux soignés, préservés. Enfin, le résultat est très bon, on a des grosses pressions commerciales. Je pense que c'est devenu la plaque tournante du commerce des chevaux d'endurance au niveau international. Voilà, il y a de gros motifs de satisfaction, mais beaucoup de progrès encore à faire quand même. Donc vous avez monté ce circuit dans un souci de préservation du cheval. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour ça ? Oui, pour moi, c'est fondamental. On n'est pas encore dans un contexte de compétition. On est là pour caractériser un petit peu nos chevaux, montrer les moyens qu'ils vont mettre à disposition du cavalier plus tard quand ils seront sur les circuits de compétition. Et on a eu toujours ce souci de les préserver au maximum. Alors, ce qu'on a fait, par exemple, c'est créer la notion de championnat sur laquelle on va tenir compte de la façon de courir plus que de la vitesse ou d'un classement. Donc, il n'y a pas de classement. Et par contre, il y a une surveillance vétérinaire très pointue. Et on va catégoriser les chevaux en élite, excellent, très bon, sans qu'ils soient obligés de prendre quelques risques que ce soit. C'est une finale dans laquelle on retrouve beaucoup de profils de cavaliers, sont mélangés les professionnels, les amateurs. C'est une très bonne question, c'est très très ouvert effectivement. En fait, là aussi, on n'est pas obligé d'être un cavalier de très haut niveau pour pratiquer, surtout pour les 4 ans, les 5 ans, un éleveur et son entourage habituel, familial, peut amener son cheval, peut le présenter dans des bonnes conditions. Bon, pour les 6 ans vitesse libre, c'est peut-être un petit peu plus fin, mais encore qu'on voit beaucoup de cavaliers qui viennent découvrir aussi la discipline. Et je pourrais même rajouter, apprendre à l'aborder en veillant à le faire dans le respect de son cheval, qui est quand même l'essentiel, qui devrait rester l'essentiel de la philosophie de notre discipline. Donc en fait, on se rend compte que ce circuit SHF, cette grande finale, forme les champions de demain ? Ah oui, incontestablement. Tous les chevaux, tous les chevaux qui ont été élites ici ont fait des performances. Ça, c'est clair, la détection est très bonne. Il peut y avoir quelques exceptions, mais comme pour tout, dans l'ensemble, on a une vraie bonne approche. Après, on constate aussi qu'on est victime de notre succès. Victime à quel niveau ? Au niveau du sport français, je parle des cavaliers là. Vu le succès des chevaux français à l'étranger, on a beaucoup d'exportations. Et c'est vrai que les cavaliers se retrouvent à devoir venir chez nous, enfin, ou en tout cas, ils devraient le faire, pour trouver des chevaux pour eux-mêmes, quoi. Parce que qu'est-ce qu'on constate ? On constate peut-être... Enfin, une grande présence des chevaux français à l'international. Les Jeux équestres mondiaux, on avait constaté 13 chevaux, 13 français sur les 15 premiers. Donc ça fonctionne bien. Après, peut-être que le travail du sélectionneur est beaucoup plus compliqué pour essayer de détecter les meilleurs. Ils sont souvent déjà vendus ici, quoi. L'impact au niveau du nombre de naissances est colossal sur le studbook de l'ACA et le seul, de l'arabe, des chevaux arabes, du pur sang arabe et des demi-sangs arabes, sont les seuls studbooks qui voient une augmentation colossale du nombre de naissances. Oui, c'est ce qu'on a constaté. Il y a le Camargue aussi, pour des raisons un peu plus de société, on va dire. C'est un cheval qui est très soutenu parce qu'il représente un terroir. Bon, on ne va pas en parler aujourd'hui, mais il faut quand même le citer. Et après, oui, le cheval arabe, c'est le seul studbook en croissance. Même le demi-sang arabe a légèrement fléchi. C'est vraiment le pur sang arabe qui est en train de prendre sa place, de montrer que c'est une race vraiment très, très, très adaptée à cette discipline. Ouais.